tout le monde, c'est Vifant qu'on se trouve sur GTA 5 Online. Du coup, pour, je vais vous présenter comment vous faire 1 600 000 facilement pour cette semaine. Du coup, pour commencer, 100 000 $ vraiment en moins de 2 minutes, c'est le chrono. Du coup, le chrono est super facile. Je le réalise avec une batterie 801 que je vais vous montrer juste après. Ensuite, pour les joueurs PS4 et PS5 aussi, je crois, vous pourrez récupérer 1 000 000 $ via le PlayStation Store. Je vous montrerai après la manipulation qu'il faut faire. Pour les autres plateformes, désolé, mais vous pourrez pas. Il n'y a que les joueurs PS4 et PS5, je crois aussi, qui pourront le faire. Et ensuite, réaliser 5 cascades uniques de cette semaine jusqu'au je ne sais plus combien. Bah, tous les jeudis, il y a des nouveautés. Puis de jeudi qu'il y a eu il y a 3 jours à jeudi prochain, je ne sais plus les dates, désolé. Mais il y a, si vous réalisez 5 cascades uniques, vous débloquez 500 000 $. Du coup, on va commencer avec le chrono. Du coup, ça, c'est 100 000 $ que tout le monde pourra se faire. Super facile, je l'ai fait avec une batterie 801. Du coup, voilà. Il n'y a rien de compliqué. Dommage que j'étais nul, du coup, on voit un peu moins, mais j'ai quand même réussi à le faire. Du coup, voilà. J'ai suivi l'itinéraire que Rockstar m'a mis, c'était le plus simple. Du coup, j'ai fait flèche de droite, j'ai essayé le chrono, hop, j'ai regardé sur ma map, j'ai mis un point, puis j'ai recommencé, puis là je vous ai vrai. Du coup, super facile hein, le chrono. C'est un des plus faciles. Hein. Je suis arrivé avec 10 secondes d'avance et encore parce qu'à la fin, j'ai vu qu'il me restait 20 secondes et qu'il me restait 500 mètres, autrement j'aurais pu encore aller plus vite. Parce que j'ai arrêté de faire des roues pour éviter de tomber ou quoi, mais j'aurais très bien pu faire 15 secondes d'avance. Vraiment super facile, après on est en ligne droite, du coup je vous conseille la Batty 801 ou alors même la Manchester Scout, parce qu'en ligne droite si vous faites une roue avec la Manchester Scout, elle est extrêmement bien, pareil pour la Batty. Ensuite, quand vous voyez au loin des voitures, et essayez quand même un peu de freiner comme ici, là je voyais qu'il me restait 20 secondes, je faisais plus de roue, là j'aurais pu faire des roues, là pareil j'aurais pu faire une roue et puis voilà, j'aurais pu clairement faire, là j'ai fait 10 secondes tout pile, voilà. Une seconde et 10 secondes, hop, 100 000 $. 101 000 exactement. Ensuite, on passe au 1 million que les joueurs PS4 pourront récupérer. Du coup, vous rendez où ce qu'il y a vos jeux. Vous allez sur PlayStation Store. Vous cliquez dans Rechercher. Une fois que vous avez marqué Rechercher, vous marquez GTA. Voilà. Ensuite, que vous avez marqué GTA à droite, il sera marqué PS Plus 1 000 000 $ dans GTA 5 Online. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous te faites du coup télécharger et ensuite il va marquer ça non disponible à l'achat. Ensuite, vous relancez votre jeu et puis là vous avez les 1 000 000 $ normalement. Et puis pour les 500 000, vous les obtiendrez le 14 mai. Ah, je ne sais plus, je crois qu'on est au mois de mai. Le 14 en tout cas. Ou alors avant, ça dépend. Ensuite, on va passer directement au saut unique. Du coup, je vous ai montré sur la map. Du coup, voilà, j'ai pris des faciles. Ils sont peut-être pas tous collés, mais en tout cas, ils sont super faciles. Voilà pour le premier. Du coup, il y en a que 5, c'est super rapide. Le deuxième, celui-là, bah à mon avis, vous l'avez déjà fait sans le vouloir. Et celui-là, pas besoin. Les sauts, même si vous les avez déjà fait, vous pouvez toujours les refaire, mais il faut que ce soit des différents. Parce que si vous faites 5 fois le même, bah ça va pas marcher. Même si vous avez déjà fait, admettons celui-là, je pense que la plupart des gens l'ont fait. Parce qu'on passe souvent là. Voilà. Même si vous l'avez déjà fait avant. Avant qu'il y a ce truc des 5 à faire. Vous pouvez toujours le refaire parce que je l'avais déjà fait. Du coup, voilà, mais je l'ai quand même refait. Du coup, ça a marché. Ensuite, le prochain, celui-là, bah pareil, je pense que tout le monde l'a fait. Voilà, c'est pour arriver à l'aéroport. Super facile, pareil. Pareil, je l'avais déjà fait bah, au début de GTA, on l'a tous fait, hein, à mon avis. On l'a tous fait déjà un jour. Et puis, même si, comme je vous disais, même si vous le refaites, c'est pas grave. D'ailleurs, le flic, je l'ai frôlé. J'ai eu peur que le saut, la cascade unique s'arrête à cause de ce flic qui passait au mauvais moment. Ensuite, le quatrième, je crois. Oui, quatrième. Celui-là pareil, bon peut-être pas, vous l'avez peut-être déjà pas fait, ouais, je sais plus parler, vous avez sûrement pas fait parce que c'est vers là, mais super facile pareil, pas besoin d'aller trop vite, moi j'ai quand même fait une roue, on sait jamais, vous passez là, hop, vous atterrissez, hop, cascade unique réussi. Voilà, ensuite la dernière et la cinquième, du coup celle-là,
Bon, elle est facile, mais il faut juste pas se prendre des voitures quand vous arrivez. Bon, de base, il n'est pas censé y avoir de voitures, mais... Moi, quand j'ai vu le feu rouge, je me suis dit, vas-y, c'est mon moment. Comme ça, les voitures, elles peuvent pas arriver. Regardez, faites une roue. Hop, vous prenez là, ici, il y a une voiture en face, bien évidemment, essayez de l'esquiver, mais généralement, il n'y a jamais de voiture. Bon, du coup, c'est tout pour cette vidéo, et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!